Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, matin sport. Sport. Maman Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de basketball pour commencer, mise à jour de la 7e journée du tournoi play-off féminin. C'était un beau match hier entre Hussein des Marines et le groupement sportif de Cossidère. Un match à rebondissement. Tenez-vous bien, alors que les filles d'Hussein des Marines étaient menées avec 14 points d'écart, elles ont finalement réussi à renverser la situation et à s'imposer 60-56 face au groupement sportif de Cossidère. Cette victoire augmente un peu plus les chances de qualification d'Hussein des Marines pour le tournoi des As. Hussein des Marines qui occupe désormais la 3e place au classement avec 11 points, alors que Cossidère, malgré la défaite, est officiellement qualifié pour le tournoi des As. Et ce, après avoir en terminant à la 2e place avec 12 points. Le basketball toujours, avec la 23e journée du championnat de Super Division Messieurs. On retiendra que Bnissaf s'est imposé 72-69 face à l'AS Oumelbouari. Avec cette victoire, le Cheb Beledit Bnissaf se positionne à la 10e place avec un total de 32 points. Il partage Bnissaf cette 10e place avec l'Union Sétifienne, alors que l'AS Oumelbouari est lanterne rouge avec 25 points en compagnie, là c'est une surprise, du Cheb Beledit Dar Al Bayda. Voilà pour le basketball. Le football à présent, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie commencent le 12 avril avec le CRB Mistral. On connaît le programme, disons ça va s'étaler sur 4 jours, avec le premier match, Cheb Riyadi de Belouizdad, Espérance de Mostaganem. La rencontre aura lieu à 17h30 au stade Shahid Hamlaoui. Le lendemain, à savoir le samedi 13 avril, se jouera au stade Miloud Hedfi Doran la rencontre entre le Cheb de Constantine et l'Étoile Sportive de Ben Aknoun. Le dimanche 14 avril, ça sera étalé au stade du 5 juillet, et là on n'a pas l'horaire, Moudia d'Alger, Wydad de Tlemcen, également pour l'autre match, hein, Cheb de Constantine et l'Étoile Sportive de Ben Aknoun. Et l'information qu'il faut retenir, c'est qu'à partir des quarts de finale, eh bien, il a été décidé d'instaurer la vidéo assistance, ce qui devrait faciliter la... Éviter les erreurs d'arbitrage. Moi, je retiendrai une chose. La fédération s'est empressée de donner, de domicilier les matchs. Elle aurait dû attendre les qualifiés et domicilier les matchs. Pourquoi ? Je vais vous donner juste un exemple. Mouloudia d'Alger, Wydad de Tlemcen. Ce n'est pas juste de faire jouer Tlemcen à Alger. Le match aurait pu se jouer à Oran. On comprend là, avec une distance, Tlemcen, Oran, Mouloudia d'Alger, Oran. Et jouer à Oran, ça aurait été... beaucoup plus intéressant. Le match CRB Espérance de Mostaganem, on aurait pu trouver une autre localité. Pourquoi emmener les déplacements imaginés de Mostaganem aller jusqu'à Constantine? C'est quand même assez loin. Donc je dis, c'est pas l'idée la plus géniale qu'ait trouvée la Fédération algérienne de football concernant cette domiciliation, la commission qui s'occupe de la Coupe d'Algérie. Tout évidemment, le stade Miloud Hedfi à Oran, entre Ben Aknoun et Constantine. Vous imaginez, de Constantine aller jusqu'à Oran, bon, pour Ben Aknoun, c'est un peu plus proche. On va enchaîner sur les championnats étrangers, notamment. On a joué, vous savez, en Première Ligue, on a joué hier. Alors, hier, qu'est-ce qu'on retient? Tout d'abord, pour les matchs qualifiés, pour les places qualifs en Champions League européenne, Tottenham a fait une bien mauvaise opération dans le derby de Londres en faisant match nul, un but partout contre West Ham. Wolverhampton a fait match nul contre Burnley, avec Ait Nouri. Et Newcastle a fait match nul contre Everton, un but partout. On a joué en Coupe d'Italie. La Juve a battu la Lazio 2-1. À retenir également qu'au cours de l'Angleterre, on va jouer aujourd'hui avec un match à retenir. C'est Manchester City, Aston Villa, avec une opposition d'un côté Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, et de l'autre City. Je rappelle que Manchester City a eu les pires difficultés à battre ou n'a pas battu cette saison les équipes qui constituent les 5 meilleures équipes du championnat d'Angleterre, contrairement aux années précédentes. Et puis Arsenal sera opposé à Luton Town. Aujourd'hui, il y aura également Brentford contre Brighton. À suivre, l'autre demi-finale aller de la Coupe d'Italie mettant aux prises la Fiorentina à l'Atalanta. Et puis en Allemagne, l'équipe intouchable cette saison, le Bayer Leverkusen, sera opposé au Fortuna Düsseldorf. Voilà pour les différentes rencontres des différents grand championnat entre la Coupe et le championnat, puisqu'en France également, on rappellera
que l'équipe de Lyon s'est imposée devant Valenciennes 3-0 et se qualifie pour la finale de la Coupe de France, alors que le Paris Saint-Germain affronte aujourd'hui l'équipe d'Amine Gouiri, le Stade Rennais. Le match se jouera à 20h10. Voilà, vous savez tout sur la les résultats et le programme. Programme, résultats. Ce soir, si vous êtes libre, ne ratez pas ce match entre Manchester City et Aston Villa. C'est une superbe affiche, d'autant plus que Manchester City est dans une situation compliquée. Ils doivent absolument gagner pour ne pas se faire distancer au classement. On fera en sorte de se libérer pour le match. Merci.